C'est Juanito et je vous retrouve pour l'épisode 7, l'épisode final en compagnie de Focusa. Salut, ça va? Ça va? Bien ou bien? Ça va, ça va. Alors putain, j'ai un creeper qui se balade dehors. On va aller dans le Nether. Ça va faire défoncer la gueule. Oui, on va plutôt défoncer les zombies. Non. Tiens, tu restes là. Y'a pas de mob. Ah oui, je vais éclairer, merde, y'a pas de mob. On a eu la brillante idée d'aller dans le Nether, se dire on va mourir face au Pigmen. J'ai 29 levels hein. J'en ai 17. Ok. C'est vrai qu'on se disait qu'avec Foucault, c'est qu'on n'est pas beaucoup mort dans cette série. Et toujours ton chien. Il est où? Il est ici. Tu me vois pas là? Ah tu l'as mis debout, non, mais il m'attaque. Vrai, pas. Il est plus aggro. Oh ça m'a gnan. Où c'est qu'il peut. Alors on a voyé l'idée donc Oh là-bas y'en a. De se débarrasser de notre stuff, de mourir dans le Nether, tout simplement. Tiens, là y'a des pigmen. Attends, c'est bon, je descends. T'es où? Je suis descendu. C'est The Fiat, va. Ouais, c'est moi qui commence. Aïe! Ouh, ça lag en plus. Aïe, il t'attaque toi, rien, il m'a des aggro l'autre. Elle a mis toi bien. Attaque, Médor! Il sort rien, ton chien. Bon, attends, bah, c'est trop simple. Bah, on n'est pas en easy encore là. Si on passait en hardcore pour le dernier épisode. Mais attends, je me demande si on n'est pas en difficulty 3. J'ai oublié un F. Voilà. On est en hard. Je sais pas, on coupe toi avant, mais. Bah non, on est en hard. Et j'en passe du corps. On avait fait une normale. Hein, sur tout le long de la ouais. Série. Ouais, mais là, je sais pas, ça, ils font pas dégâts. Ah si, moi, ils m'ont fait mal, hein. Bon, moi, en même temps, ils m'ont. Putain, mais ceux-là, ils sont même pas aggro, regarde, c'est même pas rigolo. Oui, bah alors là, vas-y, t'appelais. Tiens, ils sont aggro. Attends, j'arrive. Je lag. Ah merde, moi aussi. Mon chien prend feu. Ah oui, c'est ballot. Attends, je vais l'abréger ses souffrances. Tiens, voilà, t'es mort. Ça va, les copains. Ils sont où? Ils sont là-bas. Non, il est là. Mais vous savez, les gars, si vous continuez à être nul comme ça, ça va pas être rigolo. Hein, en fait. Moi, je prends même pas de dégâts, ils m'attaquent pas. Je pense qu'on va aller dans la forteresse, on va trouver des wizard squelettes, des blaze. Oula. Ouais. Là on va prendre tiers. Les mecs ils font tout pour mourir, tu sais. Ouais, mais ça marche même pas, regarde, y'a plein de pigmen ici, ils ont rien à voir. Ah oui, même pas sur moi, attends je vais t'aider. Aïe. Voilà, un coup d'épée en même. Ouf. Ouais, voilà. Oh, ouais, d'accord, j'ai pris très très cher. Moitié de ma vie. Et les pigmen c'est sûrement l'un des mobs les plus forts quand même. Ah ouais, grave. Le pire mob du truc, je pense. Ah ouais, parce que putain, quand ils viennent à plusieurs sur toi, tu souffres, mon pote. Hein. Alors qu'est-ce que je vois là-bas? Il y a un mob, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Où tu vois un mob? Ah, c'est la cobble. Non mais de loin, je pensais que c'était un squelette. Ah, il y a des blazes et des wizards. Ah. Voilà, là ça commence à... Voilà, là c'est une autre catégorie là. On essaie de se défendre quand même. Hein. Bah ouais. C'est quand on y voit comme des gros bourrins qu'on se fait pas tuer. C'est vrai. Oh, regarde les blazes. Vite, ils vont attaquer. Aïe. Oh, bah c'est bon. C'est toi qui es dans lui. Je vais quitter ce monde avant toi, Foco. Mais non. Je te sauverai. J'ai pas pris de flèche. Ah non, j'ai plus de flèche. Moi, non, non, j'ai plus de flèche. AP. Oh, aïe. Monsieur, vous êtes touché. Ça fait mal. Attends, je te tue. Attends, y'a Pigmen là-bas. Attends, je vois plus rien, je suis dans toi. Ah, y'a un guest. Ah oui, un Pigmen. Tombe. Il veut pas. Sérieux, attends, regarde, c'est pas drôle. Regarde, ils vont arriver d'autres dessus, non? Il y a que Quick. Même le Blaze veut toucher. C'est quoi cette arnaque? Attends, viens suis-moi. Eh mais. Ah ça y est. Pourquoi c'est quand? Ah un ghast. Allez viens. Prends-toi ta boule. Mange ça. Ça fait mal. Il se prend le ghast en pleine face. Paf, de plein fouet. Aïe monsieur. Aïe. Putain, je prends trop cher. Attends,
Putain, on va défoncer le casque à l'épée quoi. Putain, bah regarde, il se pose. Comment il a pris trop cher. Bref. Non mais attends, sérieux là, y'a où le problème? Y'a plus rien dans le nether. C'est quoi cette arnaque? Encore un ghast, mais putain, c'est un deck. J'ai plus de... Oh, un magma cube. Aïe. Oh, j'ai fait ce magma cube. Les magma cubes peuvent vous tuer, hein. Seulement vous êtes avec vos potes. Ah, y a du monde en face, c'est des wizards squelettes et des pigmen. Là, faut passer là. Ah. Oh putain, non, faut pas passer par là. Et on va faire un escalier au-dessus. Ah bah attends, je crois qu'on en a fait un là. Ah ouais, regarde, il y a un escalier là. Putain, je lag dans le nether, c'est fou. J'ai la flemme. Ouais, bah ça c'est la love. Alors, où c'est que je les ai vus? Par là. Là, il y a les pigmen. Ouais, c'est là-bas. Oh, faut passer dessus la lave. Ouais. Ah ouais. Super. Bonjour. Oh merde. Oh bah il est tombé le wizard squelette. Ah non, quel bolos. Oh, les pigmen. Viens. Oui, ah, je les tape avec. Oui. Je suis mort. Qu'à la TNT ou... Hein? Attends, on va faire juste une petite ellipse, je reviens vite. Et re tout le monde. Donc Foco est encore vivant. C'est le vainqueur de Crusader. Va par là, il y a un wizard. Où ça? Va où je suis. T'es où? Tu me vois là, ça dans la forteresse. Ouah. J'ai pris ton épée smite. J'aurais pas dû... Oh, il est où le pigman? Il a fait un plongeon dans la lave. C'était censé être compliqué, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Va par là-bas, à gauche, il y a deux wizards squelettes. Oula, il y en a plein. Il y a trois wizards squelettes. Ouf, ouf, et le... Oula, d'accord. Ok. Ça fait même pas mal. Aïe. Ça picote. Allez, ouais. Oula, qu'est-ce que... Oh, enfoiré. J'aurai ta peau. Attendez, j'ai mon sharpness. Ah, hop, meurs. Oula, j'ai plus que 3 coeurs et demi. Mais je les gère. À toi. Tiens, aïe. Oh non, le... Oh, fur. Je déteste. Ah non. Vous ne mourrez jamais vite. Oh. Voilà. Et voilà comment Focosa a quitté Crusoé. Allez, on va sortir du Nether, on reprend, on va faire une petite ellipse le temps de sortir du Nether et à tout de suite pour la destruction de cette maudite île. Et nous revoilà sur Terre, sur île, pardon. Cyril, pardon, désolé. Donc on va s'occuper d'abord de détruire cette carcasse, comme il se doit, on est des experts de la TNT. Et on va détruire cette maudite île, alors on va se fournir de la TNT, t'en as 15? On en avait 15. Bon c'est pas grave, de toute façon, maintenant, on a un comme la série étant terminée, officiellement depuis l'épisode 6, depuis la fin de l'épisode 6. Et on a fait péter plus que ça en même temps, hein. Oui bah vous avez dû le voir sur la chaîne de Focosa, si vous l'avez pas vu je vous invite à aller la voir cette vidéo, on a détruit cette foutue montagne où je suis mort deux fois. Ouais, c'est drôle, j'aime bien moi. Bon, est-ce que je pourrais avoir un briquet messieurs dames? Un briquet, un briquet pas cher. Bah je cherche le briquet. Flint, ah oui, il est là. Les PNJ s'ils s'enfuient pas, Tiens, voilà j'ai... C'est pas censé être l'épave qu'on doit casser? Oui, on va casser l'épave, t'inquiète. D'accord. Je peux allumer? Non, attends, on va d'abord casser l'épave. C'est moi que je peux. Ah, d'accord. Vous avez deviné, on va se débarrasser ici de notre petite maison. Tout effectivement. D'ailleurs, je viens de remarquer que la TNT ne s'accrochait pas aux barrières. Ah bon? Est-ce que c'est un bloc non solide? Eh, ouais, en effet. Ah, si, regarde. Non, oui, non, mais elle s'accroche pas. Sur les côtés? Ah. Ouais voilà. Enfin, tu vois y a pas le... Ouais voilà, bonjour. Ça va? Bonsoir. Alors, là il me semble qu'il y avait des coins où il y avait de l'air. Hop. De l'air. Je sais pas comment ils voulaient qu'on fasse péter ça en fait. Ah là il y en a. Là il y a des coins de air, mais je pense que ça va tomber dans le fond de l'océan. Et que... Pas si on, pas si on en fout deux en dessous, attends. Ouais, c'est une très bonne idée Jean-Mi. En passant en game mode en fait. Ouais, bonjour. Ah, ça va, elle bouge pas. Ouf. Bon, ça pète que dalle, hein. Ça pète. On va péter ce qu'il y a au-dessus, hein. Voilà, c'est mieux. Ouais. Je m'occupe de l'avant.
Je m'occupe de la proue. Donc voilà, hein, cette super série en compagnie de Focosa, j'espère que ça, ça sera pas la dernière série avec sa compagnie, pardon. Enfin, j'ai un peu du mal quand même. Ouais, un peu, c'est l'émotion, hein, c'est je l'émotion. Comprends, j'ai pareil. On fait péter une putain d'épave. Oh. De toute façon, il y aura une saison 2, ça c'est signé d'avance. Les aventures de Focosa et moi. Ouais. Sur une carte préparée par notre ami Grimag. Oui, effectivement. Normalement, si. Si tout cela n'est pas interrompu. Bon, tu me dis quand on peut tout faire péter. Quand on peut tout faire péter. Ok. Par contre, tu peux me prévenir quand tu vas terminer du truc et qu'on puisse allumer. Ok, moi j'allume mon côté, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, feu à volonté. Ouais. Ok, fail. C'est bon. J'ai foutu le feu un peu pour remettre un peu de lumière. Genre toi. Ok, moi il y a juste... Bah, j'ai envie de dire c'est réussi. Eh bien oui, ça a bien bien pété. Il reste 2-3 trucs là. Bon, s'en fout. Ça me stresse un peu. Ah bon, d'accord. Voilà. Et toi là, tu es bien mignonne, mais tu veux bien brûler s'il te plaît. Voilà. Très bien. Bon bah voilà, ça c'est fait. Voilà donc encore un truc sur la liste des choses à ne pas faire. Tiens, j'ai une idée, les vaches qui nous ont un peu fait chier. On va aller... Les baiser aussi. Bonjour mademoiselle, si tu voulais bien brûler, merci. Brûle. Brûle en enfer. Moi je suis roi de la TNT, Foco c'est le roi de... The Fire. Fire in the hell. Ils ont de la chance, les PNJ sont pas dans leur maison actuellement. Les vaches elles ont rien à foutre, elles marchent dans le feu, c'est l'air de dire bitch please. Bon par contre la TNT est activée. Oh merci. Ah c'est pas moi. Oh, y'a plus rien. Y'a un petit trou. Ah il reste à la table d'enchant et un four. La table d'enchant, tu me sens qu'on peut pas la faire péter si. Non, c'est le psy. Enfin. Attends, on va aller voir de haut ma statue crocodile. Et après on va la faire cramer. Ça, bon ça sert à rien. Hein. Non mais bon. Oh arrête, elle a la gueule d'un crocodile pisse. Oui c'est vrai un peu. Oui du bon, haut, attends regarde du haut. Oui un peu oui. Il y a un tout petit ventre. Oui bah c'est un crocodile minuscule. C'est un bébé crocodile, c'est mignon. On va le faire péter de l'intérieur. Oh il y a du monde à l'intérieur en plus. Il y a un monsieur creeper. Oh dur. Salut ça va. Je sais pas comment on sort maintenant. Oh tu pètes un bloc. Je te propose de rester dedans le temps que ça pète, tant que rien. D'accord. Ouais, j'allume de l'intérieur, ok. Vas-y. Attends, t'as allumé là ? Ah bah oui. Ouais. C'est allumé. Oh. Oh. C'est... Il y a eu un faux cossa qui vole. Bon, chacun son côté pour la forêt ? Oh oui. Ça va me faire plaisir, je vais par là. Je pense que ça... Il va y avoir une petite chute de FPS. Petit hein, après. Après je désolé, sais. Mes viewers doivent dire mais quelle cruelle personne. Ouais. Et le chien est vachement intelligent. Il est en train de prendre feu et courir vers l'eau. Bah bon, il l'a pas fait exprès. Bon t'es prêt? Ah, je suis en train de tout faire brûler hein. D'accord. Bon ça va. Alors je suis désolé si ça va laguer. Il va falloir un petit moment avant que ça commence à laguer. Qu'un certain monsieur Bob Lennon voudrait faire ça à la fin de sa série aussi Crusoe. Ouais. On l'a devancé. Enfin peut-être pas en fait, je sais si pas. Si parce que eux, ils sont encore à l'épisode 18 tandis que nous à l'épisode 10 c'est déjà 7 pardon, 10. eux ils sont encore en train de jouer tout, eux ils font des trucs bien. Messieurs savent jouer, et ben nous on fout le feu, voilà c'est tout. Hein. Nous on est bon à faire péter des trucs. C'est bien. Dans certaines contrées, c'est une pratique nuptiale très répandue par rapport au rhinophéros. Rhinocéros. Ouais. Je suis à 5 FPS. C'est pas grave. Non, je sais pas. Ça ne. Je sais pas si tu vois ton côté, mon côté comme ça brûle, mais en fait, c'est sympa. Alors de mon côté c'est bien bien allumé quand même. Ouais je vois ça ouais. Et de ton côté je ne vois rien du tout.
Ah oui, si, d'accord, ça arrive après. Ça brûle pas trop mal non plus. Eh bien, ce que je propose de faire, c'est d'y aller à la méthode barbare d'Eric Deblaze. Qui se porte volontaire pour se mettre en survival? Ah bah, pour, on va pas faire long feu en survival. Pas faire long feu. Tiens, comme je tourne, c'est toi qui es passé en mode. Bon, d'accord. D'abord, j'ai tapé un peu. Tu fais spawn. Voilà, voilà. Ça marche bien aussi comme ça. Alors. Ah, fais pas spawner trop de gaz, ça va être dégueulasse. Alors, game mode 0. Je suis dans game mode 0. Oh, il m'ont. Je vais mourir. Merde. J'ai été explosé par un blaze. What? T'as tenu genre 2 secondes et demie. What? Hein. TP toi sur moi. Ah, j'ai pas tenu longtemps. Hein. Ça lag. Punaise. TP, allez. Oula. Allez, voilà, TP. Oh, mais qu'est-ce que tu. Eh, hey, c'est pas me tuer qu'il faut faire, c'est brûler la forêt. Espèce de gros sadique. Moi, je suis content et tout. On est tous les deux sur le même arbre et qu'on essaye de survivre à l'attaque des ghasts. Ouais, attends, fais spawner un petit peu de ghasts avant. Voilà. Genre sur cet arbre là, il est très bon. C'est des ghasts, non, c'est des blazes que tu viens de faire pop. Quoi. Ah merde. Désolé. 3, 2. Attends, j'y suis pas moi. 1. Ben moi aussi. Trop dans un survival. Oula, j'en ai pas dû. Oui, il faut trop. Je regrette. Oui. Ah, saute, y'a de l'en dessous. Oh. Aïe, j'ai pas pris l'eau moi, j'ai pris les feuilles avant. Est-ce qu'ils vont nous voir? Ils sont vachement hauts. Je sais pas, mais lui en tout cas il nous a vu. Ah, y'a un blaze qui nous a salut. Suivi. Il y a deux même. Il m'a même suivi dans le creux de la main. Tu vois ce que je veux dire. Ok, lui il s'est suicidé. Ah, ça y est, je me suis attaqué par un ghast. Ah. Il y a quelques blazes qui spawn. Quelques-uns. Oui, nous... Ah, j'ai plus de son. C'est pas grave. Parce qu'on va reprendre notre nom de groupe, on va s'appeler les Bordelites. Ouais, je pense que c'est pas trop mauvais. Le ghast est mort dans un arbre. C'est moi qui l'ai fait pop dedans. Et quand même. Gal, il va encore. Il va gueuler encore. Ah bah non, ah bah il prend feu. Ah putain, l'incendie arrive jusqu'à là d'ailleurs. Ah ouais, c'est bien. De quoi? Notre incendie arrive jusqu'à là, ça commence à être pas mal. Ah oui. Bon, en même temps, on l'a démarré un peu de partout, hein, l'incendie. Ah oui, ok. Non, en fait, il y a les blocs qui s'update et il manque la moitié de la forêt quand je me rapproche. On va profiter pour. C'est vrai que j'avais promis de montrer le coffre vide. Oui, avant qu'il brûle. je sais pas si tu te rappelles où il est, moi oui. Le gars s'est coincé dans l'arbre, il brûle et il se dérange pas. Mais tu plies, un ghast. Alors où c'est qu'on avait trouvé, donc vraiment aléatoirement, Foco voyager dans la forêt. Il a trouvé cet endroit, c'est bon j'y suis. Non, je sais pas. Ah on l'avait fait péter, merde, c'est le bande abruti. Ah c'est un peu con. À cet endroit là en fait, tout simplement, il y avait un coffre. Il y a de la moustique. Et un coffre. On est super content, genre Fogo qui m'appelle, ouais Juanito viens voir en vie, tiens un coffre et tout. Et en fait. Faut pas regarder, faut le faire en vidéo. Ouais bah. Et involontairement, on va faire le coffre et on l'avait dans le fion. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez. Voilà, s'il vous plaît. Brûler en enfer. Ou même dans la jungle. On recommence en mode survival une dernière fois. Allez, une dernière. Cette fois, on essaye de tenir en arbre. Je vais mettre la difficulté en. Ouais, je suis un peu bilingue moi. En facile. Juste pour dire de tenir un peu plus, peut-être. Tu es où? Là, il y a un arbre pas encore trop brûlé. On fait spawn quelques blazes. Oh putain, ouais, d'accord. Mais c'est des gaz qui ont retenu faire spawn, ça aurait été plus marrant. Ouais, je mets des gaz, t'inquiète pas. Regarde. Il y en a assez là? Ça me rappelle le dernier épisode de Sea of Flame. Ah, hein. Tu penses sûr? Ouais monsieur, non on va pas trop spoil. Tous nos derniers épisodes en fait ils sont un peu voilà. Ah tu penses? Allez, game mode 0, 3-2-1, partez. Survival. Ouf. Synchro les gars. Ouh ça brûle. Ils sont au des arbres, faut pas tomber. Non, je tombe pas. Je tombe pas mais je meurs. Okay, j'ai explosé par un blaze encore. Game mode 1.
Oh merde. Oula. Oh bah ouais. Alors, ça l'a... Ah bah ça va, on a plus de... Merde. Oula. Heureusement le spawn est pas trop loin. Bah voilà, bon, je pense qu'on va encore dire du coup. On peut peut-être montrer vite fait la montagne pour les gens qui verraient pas la vidéo sur ma chaîne. La montagne qui est... j'arrive pas à me repérer dans ce jungle. Bah, du coup, il y a plus de montagne. Oui, donc on va montrer l'emplacement de la montagne. Par contre, ça va pas bien brûler, j'aime pas trop. J'apprécie moyennement, monsieur. On va tout de suite se calmer, hein. On se permet des... un échafaudage. Oui, c'est ça, non mais... Ah, il reste un bout de montagne quand même. Voilà ce qu'on a fait lors d'un épisode, on a détruit cette petite montagne. On pourrait espérer trouver quelque chose au fond. Et au final, il n'y avait encore une fois, grosse déception, rien du tout. Il y avait que Pouic, c'était on va aller voir l'île encore, c'est du spawn dessus. L'île trop chelou qu'on avait découvert aussi. Oui, tiens. Et de toute façon, il n'y a plus rien à montrer. Et après, on clôturera sur la saison 1 de Les Aventures de Juanito et Focosa. Ouais, ça fait trop de droits d'exploratrice. Ouais. J'espère qu'on va pas avoir des droits d'auteur pour ça. Ah non, comment ça me parler de droits d'auteur. Je vois bien Dora l'exploratrice qui arrive. Vous m'avez plagié. Mais Contestation. Mais on a payé. Ah bah alors c'est gagné. Elle est où l'île? C'est gagné. Oui. Tu t'es où? Qui es toi? T'es pas toi moi. Ah ouais. Non. Salut. Ah ouais, d'accord, c'est un peu le chantier aussi. Ah bon, tu crois? Il y en a pas un qui a survécu, non? Non. Je pense pas. Pourquoi? J'en remets un pour la postérité. Voilà. J'en remets deux comme c'est bon, ça couplé, ouais. Non, c'est vrai, il y a pas. Oula, bah lui c'est barré dans le néant. Au revoir. Ah, il y avait rien, fou. On avait fait un trou dans le néant, d'accord. C'est possible, ouais. Je sais pas si ça va loin. Ça va très très loin même. Et si pour clôturer cet épisode, on tombait dans le néant tous les deux. Ouais. Merde, ça marche pas avec dans l'eau. Ah là, ça marche pas. Ouais, néant. Fail. Ah, j'y suis pas. Ah, j'y suis aussi en fait. J'avais pas compris que je prenais des dégâts. Et ben voilà, donc on va d'abord se rassembler, on va se retrouver à côté de la boulangerie, tiens. C'est ça le truc qui a survécu. Bonne idée. Moi je sais pas où t'es, j'ai respawn dans la maison. Enfin, t'as fait ton spawn space. Mon spawn. Spawn point, pardon. Bah ouais, mais j'avais pas respawn là avant, enfin bref. On va pas parler des bugs de Minecraft ici. Je suis là-haut, tu veux. Ah, ouais, je pense qu'on peut clôturer tout. Attends, ça. Hop. Une clôture série, attention. Du coup, ben, on va se dire au revoir. On espère que cette série, mini-série, hein, du coup, 10 épisodes... putain, pourquoi j'ai dit 10 à chaque fois, 7 épisodes, pardon. Désolé, bon, c'est vrai qu'on aurait espéré faire un peu plus, mais au final, on a été vraiment très déçus. Ouais. Notamment parce que, en fait, on l'a découvert au niveau des mines. Hein. C'est vraiment côté des mines perdues qu'on s'est dit qu'en fait, c'était une carte vraiment très basique. Une carte basique, mais MC Edit, quoi. Voilà. Donc, bah, en tout cas, on va revenir sur la saison 2, avec une carte vraiment bien travaillée, signée Greymaya. Signé Greymaya. Allez voir la chaîne, elle est cool. On fait un peu de la pub et tout. Ouais, bien sûr, allez faire un tour sur la chaîne à Focosa, que je mets à chaque fois dans chaque descriptif de vidéo où on joue à deux. Mais moi aussi. Mais moi aussi. Oui, si je te le rappelle. Tout à fait. Oui, mais quand même. Et donc, on se dit à très vite. Et on sait pas, on n'a pas encore de date exactement pour la saison 2. On attend que Grey finisse sa petite carte. Qu'on va torcher. Alors à très vite. Ouais. Focosa, un petit mot avant la fin de cette série. Patate. D'accord. Allez, au revoir, à très vite.